Par exemple, moi, je suis pas vaccinée et là, je peux pas aller boire un verre, donc je bois une bière dans la rue. Voilà, je crois que ça nous écarte beaucoup, alors qu'à la base, le vaccin, c'est un choix. Ça doit pas être une obligation. En tout cas, c'est mon avis. Tout à fait. C'est indirectement, ça l'est. C'est une obligation. On nous pousse à le faire, clairement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes avec ou contre le pass sanitaire ? Moi, je suis contre le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que c'est comme ça l'État nous contrôle. Vous voyez comment ? Comme ça, parce que l'État, ils veulent nous contrôler. Ils veulent savoir où on est à chaque moment de notre vie et tout. Tu vois comment ? Genre, quand tu vas là en boîte. C'est pas une GPS ? Tu vois, quand tu vas là en boîte, tu vas scanner le pass sanitaire. Ils vont savoir que t'es là. Ouais. Pour toi, c'est atteinte à la vie privée ? Ouais, atteinte à la vie privée, exactement. Tu t'es déjà vacciné ou pas ? Non, moi, je veux pas me vacciner. Tu veux pas te vacciner ? Non, je veux pas. D'accord, merci. De rien. Alors, vous êtes avec ou contre le pass sanitaire ? Je suis pour le pass sanitaire, forcément, oui, bien sûr. Pourquoi vous êtes pour ? Je suis pour, tout d'abord parce que je suis infirmière et donc je suis très sensible à la situation qui se présente actuellement et qu'on n'est jamais assez prudent. Donc, protégeons-nous. Le vaccin, au jour d'aujourd'hui, n'est pas curatif, mais tout du moins, c'est tout ce qu'on a pour le moment, et faisons confiance à la science. C'est possible, tous les fantasmes sont ouverts, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se propose. Et s'il y a des gens qui proposent mieux, allons-y, et pourquoi pas. Il y a des gens qui ont eu des effets secondaires par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Ça dépend des effets secondaires. Effectivement, on a entendu un peu de tout. Ça ne rassure pas, c'est inquiétant. Mais que peut-on faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité ? Les gens, ils se posent la question, s'il leur arrive quelque chose après la vaccination, à qui ils vont attaquer ? Voilà, c'est le gros problème. Je ne serais incapable de répondre à cette question, je me la pose aussi. Peut-on attaquer les laboratoires ? On a tous signé une espèce de décharge. L'État, je ne pense pas qu'il ne veuille du mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je suis incapable de répondre à cette question. J'ai entendu des fausses couches, j'ai entendu des problèmes au cycle menstruel réels. Là, par exemple, mes collègues, que ce soit 20 ans ou 50 ans, hein, clairement. Et c'est pour ça que je suis pas pour du tout. J'ai un peu, c'est même pas une peur, c'est que c'est un choix personnel et qui me dit, c'est mon instinct qui me dit de pas le faire. Et pourtant, on est très peu encore aujourd'hui. Les jours à vivre, les mois à vivre, c'est une obligation. Je le ferai pas. C'est pas un problème pour moi, parce que... Si vous pouvez pas accéder à l'université, si vous pouvez pas accéder à votre travail... Ben, je pense que plier, ce serait une erreur. Mais je sais que c'est dur, parce qu'on nous empêche de faire plein de choses, mais ça fait quasiment 2 ans qu'on est dans cette situation-là, et pourtant, ça m'apporte... On s'est habitué petit à petit, et je me dis que ça revient pas à quelques mois de plus, quoi, pour... Non, moi je fais une formation en fait. D'accord. Et je travaille aussi dans le RECA. C'est un risque à prendre, certes, mais moi je le ferai pas pour moi. Je le ferai pas, clairement. C'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais en tout cas, je le ferai pas. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes avec ou contre le pass sanitaire ? Perso, je suis contre le pass sanitaire parce que ça sert un peu à rien, genre, parce qu'il y a quand même des risques d'attraper le Covid, même si on a même si on est vacciné, il y a quand même des risques d'attraper le Covid, du coup voilà, ça sert un peu à rien. Est-ce que tu as peur de se faire vacciner ? Ah, moi je suis déjà vaccinée, je vais faire ma deuxième dose samedi. Le samedi, vous n'avez pas peur d'avoir... Non, pas du tout. Perso, quand j'ai fait ma première dose, j'ai rien eu. Et votre amie, aussi la même amie que vous ? Je sais pas. Moi, ça me... Avec ou contre le pass sanitaire ? Personnellement, je pense que le pass sanitaire, c'est pas la meilleure idée pour faire vacciner les autres, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont contre, finalement, qui préfèrent rien faire, en fait, dans leur vie, au final. Et je trouve ça, pour le travail et tout, genre, c'est pas ouf. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui cherchent un travail qui ont pas, parce qu'ils n'ont pas le vaccin et qu'ils ont peur des effets secondaires, etc. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus en fait. Genre, si on me demande de faire le vaccin, je le fais, et voilà, parce que je fais confiance au personnel hospitalier.
Il y a toujours des effets secondaires après un vaccin. Après, je ne sais pas trop si les autres vaccins, c'est grave ou pas. Du coup, voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, au pire, si je meurs, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Du coup, je serai morte. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, je vais tenir les choses. Vous êtes avec ou contre le pass sanitaire? Moi, je suis con parce que... Voilà. Pourquoi vous êtes... Attends, j'étais mangé au McDo. Ils m'ont dit, ouais, tu peux manger dehors, mais tu peux manger à l'intérieur. Ça sert à rien. Soit tu manges pas, tu vois, et au restaurant, soit tu vois, il n'y a pas un, il mange à l'intérieur, l'autre il mange dehors, tu vois, ça sert à rien. D'accord. Comme... Mais ce qui concerne le restaurant, pour les vaccins, tu vas te faire vacciner ou pas? Moi, je vais pas me faire vacciner. Parce que le 15 janvier, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. D'accord. Autant pas le faire. Hein. Le 15 janvier, il n'y aura pas de passe sanitaire. Ah, c'est le 15 janvier, non? Le 15 janvier, il n'y aura plus de passe sanitaire, il n'y aura pas besoin. Vous avez vu ça où? C'est connu, c'est faut regarder. c'est sur Google. Sur Google? Ouais. Sur quel site? Sur Google. non, regarde, tu peux regarder sur Google. Hein. D'accord. Tu penses qu'il y aura plus de pass sanitaire le 15 janvier? Non, il y aura pas sanitaire, mais ce sera plus obligatoire. Là, c'est obligatoire, tu vois. Ouais. Là, tu vois, ils envoient des lettres à la maison. Va prendre le vaccin. Parce que du 15, t'es pas obligé, tu vois. Toi, tu es contre le vaccin? Moi, je compte le vaccin. En plus, dans 2 ans, il y aura une vague, il y aura plein de morts. Tu vois? C'est pas normal. D'accord, merci. De rien, de rien, de rien.